Bonjour à tous et bienvenue sur SpeedEasyCom. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer un article de blog et comment créer tout simplement un blog. D'accord? Et je vais vous montrer comment les faire passer. Et tout ça, on va le faire sur WordPress. Il y aura une autre vidéo où je le montrerai également sur Shopify. D'accord? Pour tout ce qui est e-commerce. Car en fait, notre agence utilise pour le e-commerce, donc Shopify, et également WooCommerce sur WordPress. Mais c'est vrai que je trouve ça beaucoup moins optimisé pour quelqu'un qui se lance dans l'e-commerce. Et vous avez aussi la création de ces vitrines que j'ai déjà fait une vidéo que je mettrai en lien en bas dans le descriptif. Donc, sans plus attendre, me voici sur mon écran. Donc, sur l'écran que vous voyez là, donc on est sur le dashboard de WordPress. D'accord ? Vous avez WordPress qui est ici. Normalement, vous n'avez pas toutes ces applications. C'est tout simplement comme moi. Je referai une vidéo là-dessus pour expliquer toutes les applications que j'ai et pourquoi je les utilise. Parce qu'en fait, il y a des applications que c'est pour customiser. Il y a des applications, c'est pour suivre les stats. Donc, il y a un peu de tout. D'accord ? Donc, pour la page blog, donc je vais vous montrer à quoi ressemble le blog de mon site. Donc, moi, c'est SpeedEasyCom. Donc, je vais dessus. Tac. Donc, voilà. Donc, quand vous êtes sur le site SpeedEasyCom, vous avez un onglet qui s'appelle blog, qui est ici, d'accord? Donc, j'ai créé un onglet qui est blog. Donc, les blogs, les articles de blog, je sais que c'est chiant à faire, mais je vous conseille de le faire parce qu'en fait, pour tout ce qui est référencement naturel, c'est très important, d'accord? Donc, je referai aussi une vidéo sur le SEO, donc le référencement naturel. Le fait d'avoir des blogs qui est niché sur votre niche vous permet en fait d'annoncer à Google que vous êtes quelqu'un en fait qui a du contenu qui est viable pour les utilisateurs, d'accord? Donc moi je vous conseille d'avoir des articles de blog, peu importe votre niche, peu importe votre site. Si vous lancez un site sans article de blog, bah, en fait au niveau du SEO vous tirez une petite balle, d'accord? Donc là j'ai créé une page blog, voilà, les articles de blog sont ici, tac. Et en fait ce qu'on va apprendre c'est comment faire ce genre de choses. D'accord, il y a plusieurs façons. Les articles de blog peuvent être de différentes façons. D'accord, là, c'est moi, je préférais cette vision-là. Je trouve ça plus esthétique. Après, chacun sa vision. Donc, on retourne sur WordPress. Donc, on va créer une page directement. Donc, vous allez dans page à gauche. OK. Une fois que vous êtes sur page, là, on va créer une page de A à Z hein, d'article de blog. Donc, on va faire ajouter. Voilà. Quand vous êtes ici, vous mettez une page. Donc ça, c'est ce qui va apparaître sur Google. D'accord? Donc moi, au niveau de la page, donc Google, c'est ici. Je vais mettre... Bon, de toute façon, c'est article. En fait, ce qu'il faut faire aussi, c'est ce genre de choses. Voilà. Les séparations. Parce qu'en fait, pour le SEO, c'est plutôt important aussi pour Google, pour bien délimiter qu'il y a plusieurs phases. Donc, comme quoi, par exemple, c'est web design, web marketing, hashtag expert e-commerce, par exemple. D'accord? Donc là, je vais juste dire que c'est test. Là, c'est juste pour vous montrer. Après, ici, vous pouvez mettre aussi un petit descriptif, d'accord, qui parlera. Après, vous publiez. Hop. Une fois que c'est publié, la page, vous pourrez la toucher sur Elementor. Bien évidemment, avant, vous pouvez mettre aussi ajouter une image. Ok, bon, vous allez ici, ici, on va définir une image. C'est comme ça que l'image apparaîtra sur Google. D'accord? Donc, je prends ça, on s'en fout, c'est juste pour... Voilà, la page, elle sera pas créée, je la supprimerai après. Donc voilà, c'est-à-dire que sur Google, en fait, ça apparaîtra cette photo, le texte là-haut, et ici, par exemple, article... Mais ça, c'est ce qui apparaîtra sur Google. On met à jour. Voilà. Une fois que c'est à jour, on va le modifier. Donc là, vous voyez, modifier avec Elementor. Donc Elementor, c'est un theme builder, c'est ce que moi j'utilise. Donc après, vous en avez d'autres. Hein. Il y a Divi, Gutenberg et encore plein d'autres. Mais mon Elementor est le plus optimisé. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Donc nous, ce qu'on veut, c'est créer une page nickel. Et ça, on ne veut pas que ça apparaisse sur notre page. OK, il faut que ce soit caché. Donc, vous allez en bas dans Réglages. OK, donc vous êtes dans Réglages. Une fois que vous êtes dans Réglages, vous allez dans Modèle de page. Donc on fait Elementor pleine largeur. Tac. Et comme par magie, ça va disparaître. Et il n'y aura que le contenu entre les deux qu'on va créer. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire?
Donc là, vous avez plusieurs choses qui apparaissent. Donc ça, c'est Elementor. Donc c'est-à-dire, c'est des templates qu'Elementor peut vous mettre, d'accord, que vous avez avec les pages. C'est quand vous manquez d'inspiration, vous avez les différentes pages, hop, que vous pouvez suivre. Ok. Donc ça peut vous aider. Pareil pour les articles de blog, ça peut être intéressant. Ça, c'est ElementKit. Je ferai une vidéo là-dessus. ElementKit, c'est une application tierce qui est gratuite, d'accord, qui vous permet de customiser encore plus votre site et aller plus loin. Avec, vous voyez, des footers, des headers, des mises en page plutôt sympas que vous pouvez utiliser, d'accord. Très souvent, j'utilise en plus de ça pour mettre en avant mes sites et ça va très vite pour customiser. On a un gain de temps énorme et ça nous permet d'avoir un site professionnel ou de s'en inspirer pour faire quelque chose de professionnel, d'accord. Donc, là du coup, moi je cherche ce qu'on appelle, pour mon header en haut, ils appellent ça, eux, le héros, d'accord. Donc en fait, c'est tout simplement comme une bannière. Est-ce qu'ici il y est? Alors attends, ça rame un peu. Hop. Bon, la collection elle veut pas venir. Je vais taper ici. Héros. S'il y en a pas, lui il n'y en a pas. Donc on va mettre tout simplement, on va la créer. Je vais voir sur ici, je sais que sur les autres trucs alliés, mais ça, les autres trucs, ça, j'en parle pas, parce que ça, c'est un truc payant. Ça, c'est gratuit, mais ça, c'est payant, donc je vais pas en parler. Parce que c'est Evento Element, qui est quelque chose qu'on utilise et qui vous permet, en fait, d'avoir encore plus de customisation. Mais c'est payant. Donc, là, ce que je vais mettre, moi, je regarde, hop. On va mettre, voilà, héros. Voilà. Donc, celui que je vais utiliser, tac, 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 tac. Ouais, celui-là peut être pas mal. Bon, on va mettre celui-là. Ouais, allez, insère. Là, en haut, vous cliquez sur insérer. Et là, comme par magie, ça va apparaître. Vous voyez? Hop, j'attends que ça s'actualise. Voilà, la photo, elle est là. Donc ici, on va changer. Donc, vous voyez, ici, ça vous met un peu ce que c'est. Donc, ça, c'est les rotations de texte. Donc, ça, c'est quand vous avez la version pro, vous pouvez avoir ce genre de choses qui est plutôt pas mal. Et ça peut vous faire, en fait, un peu comme faisait Orange à une époque aussi. Vous savez, quand ils mettaient pour dire bonjour de toutes les langues, ben là, c'est le même principe. Donc, moi, à la place, là, je vais dire que c'est un blog. Après, je peux mettre qu'un seul, hein. Mais là, je vais mettre blog. En dessous, je vais mettre marketing. SEO. Alors, vous voyez, tout change là. Ensuite, moi ce que je veux, ouais c'est bon, ça c'est gros. Ici vous pouvez mettre du texte, d'accord, en expliquant, voilà, c'est des articles de blog et tout et tout. Je sais pas si j'avais mis un truc par rapport à ça. Ben, on va recopier ce qui est ici. Hop, donc ça c'est mon article de blog à moi. Je vais le coller ici, tac, et sur le texte, vous avez un texte qui est ici. Ok, soit vous le mettez là-dessus, soit vous le mettez ailleurs. Si c'est trop gros, vous en enlevez un peu, vous mettez un texte qui vous correspond. Là, c'est juste pour la démonstration, la couleur du texte, bien évidemment. Comme vous voyez là, c'est un peu flou, parce qu'en fait, vous voyez, on peut le faire disparaître. Et moi, je veux que ce soit total, donc en blanc. Hop. Ensuite, moi, ce que je veux, c'est que ce que j'aime bien, c'est le Poppins. Est-ce qu'il est déjà en Poppins ou pas? Il n'y était pas. Et après, on va le grossir un petit peu. Voilà. Hop. Voilà, donc là, c'est pour les blogs. La photo du derrière, je suis pas trop fan, donc on va le changer. Hop, on va ici. On clique ici. Et là, pour les articles de blog, on va essayer de trouver. Il me semble que j'avais déjà des pages blog. Ouais, je vais remettre ça. Bon, c'est juste histoire de, hop, insérer. Voilà, donc là on l'a derrière, ça apparaît, donc c'est pas mal. Donc là on a touché comment? Là je suis allé ici sur les six petits points, hop, pour toucher la section complète, et j'ai changé l'arrière-plan, d'accord, que j'ai mis ici. Ok, la mise en page, on peut mettre la largeur, on peut tout choisir. Bon voilà, donc maintenant je vais ajouter mes articles de blog. Donc après le texte, je peux le mettre ici comme j'aurais pu le mettre en dessous, hein. D'accord. Donc ici au niveau des articles de blog, hop, il y a deux solutions. Donc soit vous cliquez ici
Ensuite, vous cliquez sur le petit plus et là, il y a tout ça qui apparaît. Et là, vous tapez blog. Okay. Et vous avez plusieurs façons de le faire. Ok. Donc, il y en a qui prennent les grilles en boucle ou si vous avez post green, c'est-à-dire vous allez ici, tac. Et dès le départ, ça va me poser des articles de blog comme ceci. Ok. Ensuite, il y a l'autre. Je vais vous faire les trois. Comme ça, vous verrez ce qu'on peut faire. Voilà, bon, je suis sur Elementor. Hein. Ok. Donc, je vais ici. Je retape blog. Dans les blogs, maintenant, ce que je vais mettre, on va prendre... tac, tac, tac. Voilà, je crois que j'ai pris post green tout à l'heure. On va prendre, il y a celui-là. Donc ça, c'est celui que j'ai pas pris encore, mais celui-là, il est sympa aussi. Ensuite, un autre blog. Hop. Alors après, vous voyez, les articles sont déjà de base en place. Hein. De toute façon, je vais vous montrer comment les mettre. C'est parce que les articles, il faut les créer d'abord. Une fois que vous avez créé, vous créez votre page blog. Et après, ça, c'est tout ça. Je vais vous montrer ça. Tac. Une fois que je suis ici, et le troisième, on va prendre... j'ai pris celui-là. Ça, c'est le logo. J'ai pris celui-là. Et celui-là, ce que j'ai pris celui-là. Je sais plus si j'ai pris celui-là. Non, celui-là, j'ai déjà pris. Donc, quand vous voulez enlever quelque chose, vous faites clic droit ici sur le petit bouton, là. Clic droit, vous voyez. Et vous faites effacer. OK, la section reste toujours là. On fait blog. J'ai celui-là. J'ai celui-là, je ne l'ai pas. Est-ce que ça, c'en est un? Hop. Et là, les articles. Ça, c'est pas pour le gris boucle. Commencer un modèle. Voilà. Hop, je sors de là. J'ai juste enregistré. Donc, vous inquiétez pas, hein, la page, elle sera pas en ligne. D'accord? Même si vous faites mettre à jour, bon, elle y est sans y être. C'est-à-dire que, comme vous l'avez pas roulé à votre site, les gens pourront pas y aller. D'accord? La seule façon d'y aller, c'est que les gens tapent ça. Donc, ils pourront pas y aller parce qu'ils le trouveront pas. Donc, là, j'ai juste regardé. Non, j'ai pas envie. Clic droit. Effacer, c'est pas celui-là que je voulais. Je vous en montre un troisième, mais gris en boucle, look house, non. Alors j'ai pris celui-là. Je crois que c'est celui-là. Hop. Voilà, vous avez ça aussi. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc, comment on va customiser tout ça? Donc en fait, quand vous êtes sur la section, à chaque fois que vous voulez modifier une section, vous avez le petit stylo qui est ici. Vous allez là, ici, l'auteur, c'est SpeedEasyCom. Donc là, vous allez voir apparaître après SpeedEasyCom ici, qui apparaît. Catégorie, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre une catégorie qui s'appelle RapTips. Alors ici, si on met des étiquettes, le format, hop, là on en met 4, on peut en mettre 3, on peut vraiment tout customiser. Si par exemple, admettons, je veux mettre un fond noir, parce que moi mon site il est noir, je vais ici, j'ai dans style, ok, ici, vous voyez, on choisit, donc soit vous mettez une image en superposition, soit vous mettez autre chose. Donc on peut faire comme ça, on clique ici, on met la couleur, vous voyez, c'est noir. Ok. Maintenant, je peux aussi mettre une superposition d'arrière-plan, ici. Et là, je rajoute de mettre une photo. D'accord? Donc si je veux mettre une photo, je peux mettre n'importe quel type de photo, par exemple celle-là. Je l'insère, elle est en fond. Ok. Nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est que au niveau de cette photo, on voit que c'est un peu trop voyant. On va la rendre un peu plus opaque, d'accord. Donc là, si vous voulez mettre un fond, ok. Maintenant, on peut faire encore d'autres choses, c'est à dire que si par exemple je vais retourner sur la section ici, je peux modifier le style, d'accord. Je peux mettre des bordures, je peux mettre différentes modifications, d'accord. Au niveau des marges internes, externes, vous avez un style que vous choisissez. Après, quand vous allez dans avancer, vous pouvez encore changer des choses. Donc en fait, on peut changer la taille. Donc quand vous êtes dans transformer, ça vous permet en fait soit de décaler. Par exemple, si je veux que ça aille à droite, tac, vous voyez, je peux le décaler. Je peux le faire revenir.
Si vous voulez que ça revienne comme d'habitude, vous effacez là, ça revient à zéro. Pareil là, on monte, on descend. Donc ça, ça peut être pas mal quand vous voulez customiser vraiment à 100%. C'est pour ça que WordPress, je conseille pour tout ce qui est site vitrine. Je dis bien vitrine parce que pour l'e-commerce, je trouve pas que c'est optimisé à 100%. Et pour tout ce qui est vitrine, c'est plutôt pas mal. D'accord? Pourquoi? Parce que tout ce qui est vitrine, vous pouvez vraiment customiser ça à 100%. Ce qui vous permet, en fait, de vraiment, avoir, en fait, un site professionnel. D'accord? Et qui correspond à votre niche et qui soit performant. Ok? Donc, une fois que ça c'est fait, là, vous pouvez, comme je dis, modifier les tailles, modifier les couleurs, ce que vous voulez. D'accord? Donc, même si au niveau des posts, ça vous convient pas, vous allez dans contenu. Et après, au niveau du poste, vous pouvez en fait les changer. Ok, là, vous avez les différents liens. Si vous voulez mettre un lien par rapport à l'image, si vous voulez, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc, tac. Et quand vous êtes dans Query, c'est pour choisir en fait les articles. Donc là, vous pouvez choisir des articles. Ça peut être des pages. Ok, ça peut être les pages d'atterrissage. Vous mettez ce que vous voulez. D'accord. Donc, au niveau des articles, là, il l'a fait. Il a pris les quatre. Mais là, il a pris par rapport aux dates, mais ça peut être par rapport au titre. Vous voyez, ça va le changer à nouveau. Tac, il y a d'autres articles qui vont venir. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. D'accord? Hop. Et là, random, c'est aléatoire. Voilà, c'est aléatoire. Il prend les choses aléatoires. Donc celui-ci, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas choisir. D'accord? Vraiment. Ensuite, si on part sur l'autre section, ok? Là, c'est différent. Là, vous pouvez choisir. Ok? Donc là, le format, il est comme ça. Là, on choisit en bloc. Si je le veux pas en bloc, moi ce que j'ai pris ça, mais j'ai pas pris en bloc, j'ai pris en ce qu'on appelle Gerd Wisdom. C'est ça. Tac. Il va être aligné comme ça. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est ce que vous voyez ici. Ok, j'ai fait comme ça. En sachant que ça, j'aurais pu le mettre dans d'autres façons. S'il est en bloc, ça fait comme ça. Donc ça dépend de ce que vous avez. Hein. Ça peut être aussi sympa de l'avoir comme ça. Mais moi, je préfère l'autre. Et le troisième, voilà, c'est comme ça. Et c'est un peu moche, il n'y a pas les photos. Donc là, moi, je veux qu'il y ait l'étoffe. Comme ça, quand vous avez les photos, les gens peuvent savoir ce que c'est. Ça peut mettre en avant. Là, vous avez les textes qui apparaissent. Vous pouvez changer la couleur de fond, hein, bien évidemment. Et si, par exemple, vous voulez changer les blocs parce que ceux-là ne vous correspondent pas, vous allez dans Query. OK. Hop. Là, vous faites décocher ça. Et là, vos articles de blog, ils vont apparaître. Donc là, on va aller dans Select Post, donc sélectez le post. Donc là, c'est vous qui choisissez. Là, c'est quand il vous met que les récents. Et là, c'est quand c'est par catégorie. Donc là, je vais ici. Et là, je choisis mes posts. Ils vont apparaître. Voilà les posts que j'ai fait. Donc, je veux celui-là. Je veux celui-là. Et je veux celui-là. Voilà. Vous voyez, j'ai choisi mon post. OK. Ensuite, au niveau du layout. Donc, le layout, c'est pour la customisation. Tac. On peut rajouter beaucoup de choses. Donc là, c'est si on veut voir le titre. Là, si on veut voir le content, c'est le contenu. Vous voyez, hop, il y a juste ça. Après, vous pouvez aussi aller dans le style et vous pouvez encore modifier certaines choses. Vous pouvez modifier la couleur. Vous pouvez modifier les images. Vous pouvez modifier tout ce qui est au niveau du titre. Vous pouvez faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. D'accord? Si, par exemple, vous allez sur la section, OK? Et moi, je veux changer type d'arrière-plan. Tac, je vais mettre une photo. OK, en arrière-plan, je mets une photo. Je prends celle-là, par exemple. Hop, autant que ça s'actualise. Et en fait, il y a un arrière-plan, mais là, on le voit pas parce que je suis trop opaque. On va virer ça. Hop, là, je vais mettre du noir. Voilà, hop. Non, c'était comment? C'était orange. Voilà, on va laisser blanc. On va rester bleu. On va rester comme ça. C'est juste pour vous montrer. Au niveau du bouton. Donc quand vous êtes dans le style, vous avez le bouton qui est ici. Ok. Donc au niveau du bouton, pareil, vous pouvez choisir la couleur du bouton. Là, les bordures, c'est quand vous voulez le rendre plus rond. D'accord. Vous voyez, regardez. Je sais pas si vous voyez mon bouton. Regardez ici. Hein. C'est en train de changer. Hop. Vous voyez, ça fait des petits boutons ronds. Ça s'arrête à 30 plus, ça sert d'aller plus haut parce que ça ne modifiera pas le bouton. Donc à 30, ça vous modifie. Vous pouvez changer la couleur du bouton, vous pouvez changer la position. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses. La taille aussi, on peut faire beaucoup de choses. D'accord? Regardez la taille.
tac, je peux mettre un gros bouton, un petit bouton, faites comme vous voulez, d'accord? On peut vraiment tout customiser, on peut rajouter des ombres, on peut modifier la police, on peut tout faire, d'accord? Donc après, au niveau du titre ici, pareil, on peut modifier, si je veux qu'il y ait un titre et qu'il soit d'une certaine couleur, on peut le faire. Ici, hop, si on veut faire un système de carrousel, on peut aussi, mais bon, je vous conseille pas, vous voyez, c'est un gros truc tout moche, donc ça, vous le faites pas. Donc là, c'est vraiment comme vous voulez, d'accord? L'image, elle est en haut, après, on peut la mettre à droite, vous voyez, ça fait moche, le mieux, c'est d'avoir au top, ok? Ensuite, vous pouvez rajouter, par exemple, des petits tips en plus, donc là, on va mettre un numéro, hop. Je suis pas totalement bilingue, on va traduire ça. Voilà. Ok. Le logo là, à prendre encore plus, il est trop balèze. Ça me dérange. Donc je retourne ici. Je reviens dans mon bouton. Et dans mon bouton, il est où? C'était là. C'est trop haut. On va le réduire. Voilà. Oui, vous pouvez même choisir les passements des mots. Tac, tac. Ça, ça peut être intéressant. Bon, là, ça m'intéresse pas. Ça reste comme ça. La hauteur, elle est bonne. Style, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Alors, du coup, je repars là-dessus. Donc, mettre en doute. Donc là, c'est ce qu'on a mis ici. Donc, on l'a mis par date. Les métadonnées. Là, c'est si on veut afficher la date de quand vous l'avez faite. Donc, ça fait ça, en fait. Vous voyez, là, j'ai mis que ça a été fait le 16 septembre, le 12 décembre, ainsi de suite. Il y a la date à laquelle les blogs ont été faits. OK? Donc, en fait, je vais ici. Vous faites métadonnées et vous faites afficher la date. Vous choisissez comment vous voulez l'afficher. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Vous pouvez choisir aussi la couleur. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi les catégories en flottant, en haut, là. Mais bon, il n'y a pas de catégorie, mais c'était pour vous montrer, vous voyez. Si par exemple, vous avez une section dans Web Design, ainsi de suite, vous pouvez le rajouter ici, d'accord? Après, le bouton « Savoir plus », moi, je veux le centrer. Donc, il est ici, OK. Et après, les liens d'emballage, ça, vous l'avez pas, ça, c'est encore, c'est des applications tierces qui font que ça se rajoute, vous voyez, c'est pas élémentant. Donc, celui-là, voilà comment il se passe, d'accord? Là, on a créé... tout simplement le blog avec les articles qu'on peut choisir de différentes façons. J'ai montré le premier qui je trouve moins optimisé, qui est ici, d'accord? Donc je trouve ça beaucoup moins optimisé. Donc on va prendre... ouais, c'était ça, c'était les articles. On a dit que c'était aléatoire. Par date. Voilà, il me l'a remis. Du coup, on va faire le troisième. Celui-là, je l'ai jamais utilisé en soi parce que celui-là me correspondait bien. Maintenant, celui-là, c'est pareil. Quand vous êtes ici, vous choisissez. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas, mais on rajoute l'auteur. Voilà. Ça fait un peu comme l'autre. Vous avez déjà paramétré les étiquettes et tout. Vous pouvez le rajouter. OK. Et ensuite, il y a paramètres de mise en page. On peut le faire de différentes façons. Donc, après, vous l'avez en mode carte. Vous voyez, où ça fait comme ça. Tac. Donc c'est pas mal, vous pouvez en avoir plein, hein. Des articles de blog, ça peut être un truc comme ça, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que visuellement, entre ça et ça, ouais, j'aime bien celui-là aussi. Mais c'est vrai que le système de cartes, ça permet de faire un style, quand même. Le charger plus, voilà, quand on veut plus d'articles, c'est pas mal. Donc là, vous changez le mot, c'est mettez voir plus, par exemple. Ok. Vous choisissez la taille de l'image. Vous voyez, vous avez différentes tailles, vous pouvez la choisir et la changer. Si la taille ne vous correspond pas, vous pouvez même la personnaliser. Ok, là vous avez tout entière. Donc là, c'est si vous n'avez pas tout du même format, ça peut le décaler. Moi, j'ai du bol, tout est la même taille. Donc je remets un 800 par 800. La balise, elle est là. Mon extrait 10. Ok. Ensuite, là en lien, on peut mettre un lien, mais bon, j'en ai pas mis, mais bon, vous pouvez mettre un lien si vous le voulez. Ça, on n'en parle pas. Là, on va dans le style, ok? Donc, dans le style, l'arrière-plan, là, il est en blanc, couleur de superposition, c'est ça. Voilà. Après, la typographie, on peut la choisir aussi et la changer. Donc, vous avez ici dans typographie et vous mettez ce que vous voulez. Donc, moi, c'est Poppins par défaut sur mes sites. Tac, et ça me l'a modifié, d'accord?
pouvez changer la couleur. Là, c'était blanc, mais je peux mettre une autre couleur. La flèche en question, le temps, ligne balle s'il y en a, et le bouton charger plus qu'on peut changer de couleur. Comme on le voyez, on va le mettre en noir. Voilà. Donc là, vous voyez, on a vu les trois articles de blog où on peut tout changer, on peut changer la forme. Après, il y a aussi ce petit côté-là quand vous allez ici pour la section, quand vous voulez modifier en fait également la section, juste tout ça. Vous pouvez changer le style, mettre un arrière-plan, refaire les bordures. Vous voyez, là, vous voyez pas parce que c'est blanc. En fait, c'est l'arrière-plan, c'est ce qu'il y a derrière. Regardez, si je vais ici, je mets une couleur. Vous voyez, c'est ce qu'il y a derrière. Donc ça, on le voit pas, c'est en blanc. Mais quand vous voulez, par exemple, mettre quelque chose et qu'il y a juste la section qui prend, vous allez ici, vous cliquez ça, là, sur le petit carré bizarre, et ça vous fait l'arrière-plan. D'accord? Donc moi, là, ça me sert à rien. De toute façon, c'est en blanc, donc ça se verra pas. Pardon. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, je mets à jour. Bien évidemment, comme je dis, s'il y a une section qui vous plaît pas, tout ce que vous avez à faire, c'est clic droit ici et vous faites effacer. Ok. Et moi, si je veux encore enlever la section, je fais ça. Maintenant, je trouve ça, c'est un peu trop collé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'espace. On va ici, on fait le petit plus. On clique ici. D'accord. Donc une fois que vous avez cliqué ici, hop, on va recliquer sur le plus qui est ici. Et là, moi, je vais mettre un espaceur. Ok. L'avantage d'un espaceur, c'est que ça crée un petit peu, on va dire, entre guillemets, de l'oxygène pour que votre site soit un petit peu moins serré. Pareil ici pour la section, donc je vous montrerai deux façons. Il y a soit cette façon-là, où vous rajoutez des sections, d'accord? Voilà, vous remettez un espaceur. Ou sinon, il y a le truc très simple. Donc si par exemple, donc je vais ici, par exemple, je fais clic droit, on va dupliquer la section. Voilà, comme ça va arriver juste en dessous. Alors l'autre façon pour faire de l'espace, ok, c'est vous cliquez ici. Donc du coup, ça prend toute la section, vous voyez. Vous allez dans avancer, vous allez en bas là. Et vous augmentez la taille. Regardez. Hop. Vous voyez? Et vous créez de l'espace également. Ok? Donc, il y a ces deux techniques pour augmenter et faire de l'espace. Ok? Et là, du coup, je supprime celui-là. Ça sert à rien. Donc, vous voyez? On crée de l'espace aussi comme ça. D'accord? Donc, comment ça va rendre? Donc, là, c'est par exemple, on avait le site. Hop. Là, je clique sur le petit œil qui est en bas pour voir à quoi ça ressemblerait. Là, du coup, la page va s'ouvrir. Voilà. Mon article de blog serait comme ça. Tac. Avec les articles ici, hop, et je tombe directement là. Là, pareil, je trouve ça moche que ça apparaisse comme ça. Moi, si vous voulez, dans mes articles, ça apparaissait comme ça aussi. Mais là, ce que j'ai envie de faire, pour changer un peu, c'est par exemple rajouter tout simplement tout ce qui est mes certifs et tout, d'accord, par rapport à la société. Donc, je descends, attendez, hop, hop, hop. Donc voilà, si je veux cette section-là, ok. Petite astuce qui est pas mal, que je sais pas si les gens m'ont déjà parlé sur WordPress, mais vous pouvez aussi dupliquer d'une page à une autre pour le remettre, pour éviter de tout retaper. Donc vous allez dans modifier ici avec Elementor également. Donc je veux tout cette section-là avec la certification et tout ça, et tout comment c'est déjà programmé, en noir, orange, et ainsi de suite. Donc je vais de suite dessus. Allez, allez. Hop. Donc voilà, donc là je suis dessus, moi je veux la section, je descends, tac 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 tac. Voilà, j'attends que ça s'actualise. Je suis un peu trop vite pour lui. Ok, donc une fois que je suis ici, la section elle est là. Ok, moi je veux toute cette section. Ok, je veux toute la section. Donc je vais ici, vous voyez, les six petits points, clic droit, ok. Et je vais faire tout simplement copier. Ensuite, je reviens de l'autre côté. Ici, hop, il est là. Là, je vais là. Et en fait, il faut faire tout simplement ici à nouveau. Et là, vous faites coller. Hop, et là, regardez. Je l'ai là. Vous voyez, ça m'a pris, allez, quelques secondes. Et en fait, c'est plutôt pas mal. Parce que si vous avez des choses que vous avez tout fait, par exemple, sur la page d'accueil, vous avez vos contacts et tout, machin, et vous voulez le rajouter, vous le rajoutez ici. Là, par exemple, je sais que j'ai mes contacts ici. Si je veux le récupérer aussi, je fais copier. Je repars là-bas, je refais ici, vous voyez ces petits points, je fais coller et bam, j'ai mes avis clients. Ok? Donc voilà, j'ai les avis clients, j'ai tout. Là, je remets une section pour couper, hop, ou sinon, j'ai juste à aller ici, comme je vous l'ai montré, avancer, et ici, voilà,
je crée de l'espace. Ok ? On crée de l'espace, c'est pas mal. Là, je fais actualiser. Et vous voyez, on a les articles de blog qui sont là. Les blogs, on peut les changer. Hein. Comme ici, je vous l'ai dit, on peut le changer aussi. Quand vous êtes ici, dans le contenu, là dans Query, j'ai mis les articles. Et après, j'ai pas mis section manuelle. Si je mets section manuelle, je vais ici. Je dis... Hop. Alors, c'est quoi déjà ? Si je fais sélection manuelle, je crois qu'il y avait un truc sur le SEO. Voilà. L'autre, c'était il y avait un truc sur le marketing. Voilà. Je remets le marketing. Hop. Ouais, bon, on va le mettre en manuel parce que sur ça, j'ai pas mis de photo. Tac. Voilà. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que là, vous voyez, j'ai tout simplement les certifications que j'ai récupérées de l'autre côté, j'ai tout ça. Si je veux récupérer d'autres choses, je peux le faire sans aucun problème. D'accord ? Voilà. Donc là, vous avez tout, vous avez les avis clients. Si je veux récupérer là le truc des outils, je fais copier. Hop, je vais ici. On va couper la poire en deux. Ici, on va le mettre. Tac. Non, on va le mettre plutôt au-dessus. Ici, on va faire coller. Et là, il va arriver entre deux. Vous voyez ? Tac. C'est plutôt pas mal. Donc en fait, pensez à ça, parce que des fois, quand vous avez fait une belle section, plutôt de tout galérer à recopier, vous faites tout simplement un clic droit, vous faites soit dupliquer, soit copier-coller. La dupliquer, tac, ça me le remet ici. Si ensuite, je veux le basculer en dessous, il y a différentes astuces, d'accord ? Si jamais vous avez la section que vous voulez monter, vous cliquez ici, hop, et vous faites glisser en bas ou en dessous. Si je la mets en bas, vous voyez, ça me le remet ici, tac, et ça me le met en bas. D'accord ? Si je veux prendre juste par exemple ça là, la section ici et je vais la mettre sous ça, j'ai juste à faire ça, tac, et là je le mets ici. Vous voyez ? Et là ça crée une section directement dessus. Là je reprends ça, c'est comme ça qu'on fait glisser-déposer. C'est du Lego, hein, un peu comme sur Shopify, c'est du Lego. Après, c'est sûr que si vous n'avez pas l'habitude et que vous n'avez pas toutes les informations, vous allez faire un site pas foufou. Là vous voyez, avec des articles qui ont déjà été faits en amont, donc je vais vous montrer où est-ce qu'on les fait, les articles. Donc ça, c'est la même chose que créer une page. Hein. La seule différence, c'est que ça s'appelle des articles. Et du coup, c'est déjà codé dans le système pour que quand vous créez un article de blog, ça les prend automatiquement. D'accord ? Donc là, vous voyez, ça c'est fait. Donc là, par exemple, ça, moi, j'aime bien. Du coup, si je voulais modifier mon article de blog déjà effectué, j'aurais juste à cliquer sur les trois petites barres en haut, faire voir la page pour revenir sur la page qui est ici. OK ? Bien évidemment, ça, par contre, vous le verrez, je vais le modifier. Mes articles de blog qui sont ici, on voit qu'effectivement le finish, il est pas foufou parce qu'il n'y a pas les avis, il n'y a pas tout ça. Si par exemple je voudrais le rajouter alors qu'ici, vous voyez, il manque des choses, je vais tout simplement dans modifier Elementor à nouveau quand c'est ouvert, d'accord ? Et une fois qu'on est là, allez, hop, je reprends ici, moi je veux la section qui marchait bien, donc je sais là, ça je vais faire copier, on fait la même chose dans l'autre sens. Tac, allez, on descend. Je vais ici, clic droit, et je fais coller. Et ouais, comme par magie, c'est en place. Donc c'est plutôt pas mal. Et je vais faire là, pour tout ce qui est avis client, tac. Hop, comme ça, j'ai fait les deux. Voilà. Et ça, par contre, je le mets en place de suite. Donc ça, vous le verrez sur mon site. Hop, voilà. C'est en place au niveau des certifs et tout ça. Et là, vous avez les articles de blog. Ça, pareil, quand vous voulez rajouter des liens. Là, par exemple, j'ai rajouté le lien de mon ebook qui est sur Amazon. D'accord ? Donc, quand les gens cliquent sur « Acheter maintenant », ici, vous avez le lien Amazon en question. D'accord ? Donc, moi, tout a été fait. Donc, par exemple, je fais voir la page. Vous pouvez acheter des liens par rapport à des produits que vous avez créés sur Stripe. Donc, j'ai fait une vidéo sur Stripe que je mettrai en lien. Vous pouvez créer des produits sur Stripe. Par exemple, Stripe, c'est un système de paiement où les gens payent en ligne. C'est pas forcément comme WooCommerce, c'est totalement différent. C'est vraiment si vous avez créé un e-book ou des choses comme ça, vous n'avez qu'un produit, bah, vous créez un lien de paiement et vous créez le produit sur Stripe et vous le mettez sur votre site. Un peu comme tout ce qui est rendez-vous et tout ça, où les gens peuvent prendre rendez-vous. D'accord ? Regardez, hop, le lien, je clique dessus. Tac, ça ramène sur Amazon. Ok, c'est le bouquin qu'on a fait sur Amazon. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment en fait on crée la page pour le blog avec les articles.
Donc en fait, si vous voulez, quand on va faire un article, je retourne sur WordPress. Ah oui, j'enregistre avant, pardon. Tac. Donc cette page, c'est vraiment une page de démo, hein. Mon blog, il ressemble pas à ça. C'est juste pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous quittez. Si jamais vous voulez créer des articles de blog, bah, comme je dis, ça se présente de la même façon, d'accord? Donc pour créer un article de blog, vous allez tout simplement dans Article. C'est fait pour ça, d'accord? Vous allez dans Article, vous créez votre article de blog. Donc comment ça se présente? Hop, c'est comme ça. Voilà, l'article de blog. Voilà, comment optimiser la description de vos produits pour augmenter vos ventes en ligne. Ça, c'est ce que j'ai fait avec un texte et tout ça. Là, au niveau du référencement, je suis à 80 sur 100, c'est pas mal. Il y a encore des choses à améliorer. Mais je me suis dit 80, c'est pas mal. Et là, c'était juste pour créer un article de blog. Et en fait, quand vous cliquez dessus, l'article de blog se présente un peu comme la page. D'accord? C'est pareil. C'est totalement pareil. Vous customisez de la même façon. Vous voyez, là, j'ai pris un template. J'ai fait mon article. J'ai mis en surveillance les mots importants. En dessous, j'ai remis, en fait, des articles de blog par rapport aux conseils que les gens peuvent choisir. Pareil, si par exemple, tel ou tel truc me plaisait pas, je vais sur la section ici. Tac, j'aime pas cet article-là. Je vais dans Query qui est ici. Là, je vais sélectionner un poste. Je vais mettre par exemple celui-là. Hop. Voilà. Vous voyez ? On met vraiment ce qu'on veut. Voilà. C'était vraiment pour la démo. Bon, je vais mettre à jour. Comme ça, c'est fait. Donc voilà. Là, vous créez votre article de blog avec la partie où il laisse un commentaire et tout et tout. Et après, vous repartez. D'accord ? Et après, vous quittez. Évidemment, pareil, vous pouvez le customiser de la façon que vous voulez. Donc, je peux changer la forme, je peux changer le style, je peux changer les photos. On peut tout changer. Vous voyez, je peux vraiment tout faire. On peut faire le fait qu'il soit un peu monté sur l'autre photo. C'est parce qu'en fait, ils sont allés dans avancer. Et vous voyez, ça a été modifié. D'accord? Ça, c'est des templates qui sont déjà préfaits, que vous pouvez insérer grâce, en fait, à ce qu'il y a là. Quand vous êtes ici, vous avez plusieurs options que vous pouvez ajouter. Et du coup, ça peut vous aider à customiser votre site. Vous voyez, il y a déjà des templates déjà préfaits. Vous l'insérez, il se met automatiquement dessus. D'accord? Donc, là, on a fini ça. Hop. Et du coup, après, ça donnera le visuel que j'ai maintenant sur mon site. D'accord? Donc, le visuel que j'ai, c'est ça. C'est-à-dire que ça, si vous allez sur mon site SpeedEasy.com, au niveau de tout ça, vous avez les articles de blog qui apparaissent. Voilà, il y en a, je crois, 25 pour le moment. C'est sur la niche de l'entrepreneuriat, donc il y a un peu tout ce qui est SEO, marketing. Donc, ça peut vous aider. Si en plus des vidéos, vous voulez vous faire aider par rapport à certaines choses, vous allez avoir tout ça qui est disponible, d'accord? Avec les meilleures stratégies en fonction de votre niche. Donc, vous voyez, l'article se présentera comme ça. Il y aura pas mal de contenu et des choses à savoir. Et après, voilà, si vous avez besoin de me joindre, mes coordonnées sont ici. Si jamais vous m'appelez, n'hésitez pas à me laisser un message. Okay. Parce que moi je réponds pas, si tout simplement parce que si vous laissez pas de message, je réponds pas parce que je suis pas mal harcelé par des publicitaires, donc en gros je réponds pas automatiquement, d'accord? Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et si vous voulez prendre l'ebook, les liens seront dans la description pour l'ebook. Et pareil, si jamais vous voulez utiliser Elementor, vous aurez le lien pour Elementor pour l'ajouter directement dans vos extensions. Il faudra aller dans les extensions que vous avez ici et vous le télécharger. D'accord? Donc voilà, donc merci à vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.